J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette bonne vieille tête du lundi matin où hier soir j'étais tellement fatiguée que j'ai complètement zappé de me démaquiller et ça se voit. Bref, c'est pas grave, on va s'occuper de tout ça ce matin, de tout ça ce matin, je pense. On verra bien. Là, il est 8h15, donc les filles viennent tout juste de partir à l'école. Ça va, ça s'est bien passé, même si Roxane, je vous avoue qu'elle est complètement ronchon. Mais c'est vrai que depuis ce matin, déjà, tout le week-end, elle a été comme ça. Elle n'a pas arrêté de chouinoter. Donc, je suspecte de nouveau une otite, mais je ne suis pas bien sûre parce que on lui a donné du Doliprane, mais elle était toujours aussi ronchon. Alors que quand on lui donne du Doliprane et qu'elle a une otite, ça calme direct. Mais là, elle est ronchon, elle a du mal à s'endormir le soir ou elle se réveille pendant la nuit et du coup, elle a du mal à se rendormir. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'il fasse très froid dehors et du coup, ça joue un peu sur son état général, je ne sais pas. Bref, du coup, ce matin, elle était un peu chiante, hein, clairement. Ne cachons pas la vérité, hein. Bref, du coup, là, tout le monde est parti à l'école. Ce matin, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse du code, il faut que je regarde un peu toutes les vidéos que j'ai à tourner, il faut que je prépare un livre pour la chaîne ASMR parce que cette semaine, il faut absolument que j'arrive à tourner au moins une vidéo ASMR, ça c'est sûr. Enfin, du coup, on a pas mal de choses à faire. Et va falloir en plus que je me prépare tout bien comme il faut puisque ce soir, il faut que je fasse ma photo pour le papier du code là dont j'ai besoin. Il faut une photo pour le permis après et tout ça. Bref, je pense que c'est une bonne journée qui nous attend. Voilà. Clairement, je pense pas filmer ce matin parce que vous filmez moi au code. Je vous l'ai déjà fait hier, donc je vais pas vous filmer moi tous les jours en train de faire du code, faire le ménage. Je vois pas l'intérêt. Quoique, des fois, je devrais peut-être me dire que je devrais me filmer en train de faire le ménage. Ça ferait taire les mauvaises langues. Je me dis qu'il dirait pas que je fous rien. Hein. Bref, oui, donc je pense qu'on se retrouvera ce midi avec les filles. Et voilà. C'est dur le lundi matin, surtout après un week-end. Bref. Allez, je vous dis à tout à l'heure et puis à tout à l'heure. Bon, les filles sont rentrées de l'école après. Je leur demanderai après comment ça s'est passé la journée. Mais là, j'ai reçu mon colis. Il faut que je vous montre un peu ce que j'ai commandé. Regardez. Regardez, les amis, ce que j'ai commandé. Le Lucator. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous montre ça tout de suite en vidéo. C'est Sarah qui filme. Qu'est-ce que c'est le Lucator? Faut que je vous montre ça quand même. C'est qui? Un petit ring avec deux petits trous, des petites cagoules. Je vous le dis tout de suite, c'est une grosse connerie. Moi, je prends la bleue. Toi, tu prends quelle couleur? Ben, la rouge. Mathieu va prendre la rouge. Le petit ring, nos cagoules. Attention! Attends, faut se tenir en dessous. Attends. Voilà, c'est bon. Attention! 1, 2, 3. Mais Mathieu il triche parce qu'il a un pouce de fou hein. Crac, crac. Pourquoi tu me tiens la main comme ça pour être plus loin là, je suis sûre. J'ai gagné. Non, j'ai gagné en premier, t'as triché. Bah non, mon pouce non. Est dessus. Mathieu c'est trop un tricheur à ce jeu là. C'est moi qui a gagné en premier. C'est celui-là qui attrape le pouce en premier. Bah t'as pas attrapé mon pouce puisque j'ai eu le tien. Vraiment. Après, il dit ouais, les filles elles sont mauvaises joueuses, je comprends pas. Mais il leur apprend à tricher, alors c'est normal. Hein. Allez, je fais une petite partie avec Sarah. Attends, tu l'as bien mis? Ah oui, mais toi, t'es gauchère. Ah, c'est encore plus dur. On se tient la main en dessous, comme ça. T'es prête? Le but, c'est que t'attrapes mon pouce à moi. Ok? 1, 2, 3. J'ai gagné! Encore? On fait une autre partie, mais avec deux. Oui, mais couleurs. Alors ça, tu l'enlèves. T'en as pas besoin la journée. Et je prends rouge. Bon, ben, je prends rouge. Prête? 1, 2, 3. Allez! Ah!
Ma tabée. Non, t'as attrapé la chaussette. Ah, Sarah m'a eu. Bravo. Allez, moi je fais rouge, toi tu fais jaune. Jaune? Ouais, mais Sarah, c'est de la triche, elle est gauchère. Attention. Ça fera quoi, ça? C'est le ring. 1, 2, 3. Alors, tu triches pas. J'ai... Ah, je t'ai déshabillé. T'es toute nue. Qui c'est qu'il y a ça, Roxane, dans les vidéos Sarah, dans les vidéos. Est-ce que tu sais c'est qui a ça? Non. Qui joue à ça? Non. Tu sais pas? Pourtant, c'est une fille que tu regardes. Allez, allez, tu peux pas m'attraper. Tu peux pas m'attraper. T'es encore toute nue, hein. T'es nue d'histoire. Tu peux pas m'attraper. Nanana. Nanana. Elle a fait une feinte. Tu sais pas c'est qui a ça? Non. Bah Roxane. Bah oui, en fait on a découvert ce jeu qui nous a fait beaucoup rire avec Mathieu dans la vidéo de l'atelier de Roxane. Je crois qu'il a testé des objets un peu insolites, savoir si ça servait dans la vie ou pas. Tu attends, je parle s'il te plaît. Et du coup on a tellement ri avec cette vidéo avec Mathieu. En plus elle en a retourné une autre il n'y a pas très longtemps. Franchement on a tellement ri qu'on n'a pas pu s'empêcher de l'acheter. Hein, c'est vraiment ça. Du mais coup, là, je vous le montre un peu comme ça, mais on fera une vidéo spéciale Louis XIV. Et ça fera un super jeu rigolo un peu pour le jour de l'an, vu qu'on est en famille. Franchement, ça sera trop sympa. Voilà, j'avais juste envie de vous présenter une grosse connerie aujourd'hui. Maman. Ah, t'as fait quoi ce matin à l'école? Non, on n'entend rien si tu fais ça. J'ai fait des ateliers. Des ateliers, ouais. Et c'était quoi les ateliers? Les ateliers dessiner. Ouais. Je veux dire colorier des coloriages. Ouais. Aussi, il y avait. Arrête de gigoter, tu vas donner envie de vomir aux abonnés. Il y avait. On est allé dans la cour de récréation. Ouais. Et c'est soit avec Soumaya. Ouais. Et après, c'était le jeu maman et papa. T'as fait que dessiner ce matin? Non, j'ai fait un autre atelier, mais c'est plus quoi. Ah, d'accord. Romane, t'as fait quoi? Alors, ce matin... T'en laisses un peu à Raphaël, hein, parce que... Oui. Ce matin, on a écrit les devoirs pour jeudi et on a écrit pour le cahier du jour aussi, parce qu'on avait oublié de le prendre. Après, on a fait de la grammaire et après, Raphaël va nous dire ce matin. On est allé en récréation. En rentrant de la récréation, on a fait une évaluation. De quoi? Une évaluation de numération. Qui a réussi? J'ai pas fini. C'est pas une évaluation alors. Pourquoi c'est pas fini? Parce que la maîtresse, elle nous donnera 10 minutes en plus. Ah d'accord, ouais. Bah, qui pense avoir réussi pour l'instant de la fiche? Ok. Déjà, je crois que des croissants, j'ai que 15 minutes. Je dirais que j'ai fait croissant. Donc, t'as presque rien fait. Si, il manque 3 exercices. Bah, donc, tu dois savoir si t'as un petit peu réussi ou pas trop. Ah, je sais pas. Moi, j'ai un peu de croix. Romane, elle se mouille jamais comme ça. Si elle a une mauvaise note, elle se dit c'est bon, je savais pas. Si elle a une bonne note, elle dit ah, bah, ça va, je suis contente. Et toi? Moi, pour l'instant, je dirais que j'ai. Pour les calculs. À l'oral, je dirais que j'ai faux, quelques erreurs. Et pour des croissants, j'ai faux, je dirais. Oh bah, ça va être beau, ça. Ouais, bon, bref, vas-y, évaluation, et après Après, avant l'évaluation, on avait fait de l'orthographe. C'était une boîte. La grammaire. Ah oui. De l'orthographe. Ah, c'est encore votre truc de boîte, là? Oui. Et oui, bah, c'est bon, tu l'as déjà expliqué, ça. T'as eu tout bon? Oui, j'ai un... En orthographe, t'as eu tout bon? Oui, tout juste. Ah bah, l'orthophonie, ça marche? Oui, j'ai eu 6 mots juste pour l'instant, et là, j'en ai remis 3 dans la boîte, donc on en a un, et je vais les réviser cet après-midi. Et toi, Raphaël, t'as eu tout bon? Non. Ah!
Romane, elle a mieux réussi que Raphaël. Eh ben, dis donc, ça veut dire que l'orthophonie a fait ses preuves. Je savais pas écrire, je sais plus écrire chewing-gum. Bah ouais, mais ça c'est du par cœur, hein, t'as pas le choix. Hein. Bah oui, bah justement, c'est du par cœur, chewing-gum. Parce que chewing-gum, c'est pas, ça s'écrit pas comme on le dit. Oui, ça s'écrit. Donc t'es obligé de l'apprendre par cœur. Chewing-gum. Bah pourquoi tu l'as bon là et faux à l'école? Mais non, mais c'est qu'en fait, il fallait les écrire et j'ai. Parce qu'en fait, Parce que tu t'es dépêché comme d'habitude pour finir avant tout le monde. Non, c'est qu'en fait, on est un groupe et je savais plus comment l'écrire, du coup, je l'écris comme je le pensais. Et là, je les ai épelés. La dernière fois, je les ai écrits. Et la troisième fois, je ne sais pas. Donc là, je les ai épelés. Donc j'avais allongé. Je sais plus quoi. À essayer, j'ai hésité, mais j'ai hésité où le I et le Y, mais j'ai réussi. D'accord. Et Marie, t'auras ta surprise ce soir. C'est moi qui lui donne, avec papa. Et Sarah, en fait, la maman de ma copine, Héloïse, je connais son prénom. Elle a dû recommencer le prénom de Sarah, parce que, en fait, la maman, elle avait fait couleur marbre et elle a trouvé que ça faisait tombe. Du coup, c'est vrai. Le fluorescent, comme Roxane et qui s'amuse dans le noir. Celui de Marie et papa. Et le mien, il est trop. Non, on leur donnera. Enfin, il a l'air de tout. Vous lui donnerez en même temps. On le donnera à Noël. Oui, ou à Noël, voilà, très bien, à Noël. Est-ce que t'as du papier cadeau? Oui. Merci. Ça va, c'est un cadeau qui vous coûte pas cher, quoi. Bah, c'est pas grave, c'est juste ce qui compte, hein. Le massacre quand elle mange. Oh là là. Mais je suis une chatte. T'en as mis partout, bébé. Même sur moi. Ah là là. Ah là là. Kiwi. Raphaël, est-ce que tu peux demander un service? Raphaël, je peux te demander un permis, je sais pas. Oui, est-ce que tu voudrais bien aller voir Raphaël? Est-ce qu'elle va repartir ou pas? Je vais chercher une. Au pire, je couperai un peu, mais je reste figée. Tout à l'heure, Romane donnait le yaourt à Roxane et elle s'endormait sur la cuillère. C'est bon, mon bébé? Roxane, elle est là sans être là, midi. Ouh. Tiens. Non. Mais regarde, Raphaël, elle a nettoyé la tétine, elle est propre. Regarde, elle est toute propre. D'accord, bah, je la pose là. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont trop bons. Mais où les sacs? Pour le petit déjeuner, oui. Avec Tata. Ouais, mais tata, il y avait beaucoup de choses. Hein. Je comprends. Ouais. T'as même montré le beurre. Bah quoi? Pour le liquide. Chut. Les paupières sont lourdes. Très lourdes. J'ai envie de dormir. Oh. Ça y est, les filles sont parties à l'école. Je viens de mettre Roxane au dodo. Petite mère, elle était fatiguée. Elle s'endormait au bout de la table, mais elle a tenu jusque-là, donc c'est très très bien. Nous, on a mangé, du coup, on a discuté un petit peu avec les filles de ce qu'elles avaient fait chez leur maman. Mais c'est des moments que je ne filme jamais, parce que d'une, les filles ont envie que ça reste privé, ce qu'elles nous disent. Elles n'ont pas spécialement envie d'étaler leur vie, de ce qui se passe chez leur maman. Elles ont déjà, entre guillemets, leur vie ici... qui est mis sur internet, donc leur vie chez leur maman, elles ont un peu envie que ça reste privé, donc c'est des moments que je ne filme jamais. Mais on a discuté de pas mal de choses et franchement c'était sympa. Donc du coup là il était l'heure que les filles, je suis essoufflée, partent à l'école, voilà. Donc moi là je vais me poser sur le code puisque Roxane est partie faire dodo et que ce matin j'ai pas eu le temps. Donc là je vais me poser sur le code, je pense que je vais faire deux ou trois sessions et après j'irai faire ma douche.
pour pouvoir me préparer pour faire les photos que je vous ai dit là pour le code tout à l'heure. Et peut-être qu'on va aller à Action ce soir avec Mathieu, parce qu'il me faut des bougies pour mes parents. Vous allez dire, hein, pour tous ceux qui viennent d'arriver, j'ai perdu mes parents, les deux, je n'ai plus mes parents. Ma mère, ça fait que quelques temps, donc c'est très récent. Donc vous les voyez peut-être jamais, mais j'ai toujours un petit coin pour eux là-haut et j'allume une fois, peut-être plus, des fois, ça dépend des fois. J'allume toujours une petite bougie dans la semaine pour eux, voilà, tout simplement. Sauf que là, j'ai ma bougie là-haut, là, celle-là, elle est complètement vide, voilà, d'ailleurs, il faut que je la jette. Et ceux-là, là, j'en ai plus beaucoup, des petits machins. Et là, Mathieu m'a dit, faut qu'on aille à Action. C'est Mathieu qui me l'a dit, hein, quand même. Mathieu m'a dit, faut aller à Action parce que là, avec Noël, il y a plein de photos fortes et tout. Tu devrais aller voir. Donc, je vais lui demander là. Et en plus, il faut qu'on rachète des sets de table qu'on pose sur la table quand on mange parce qu'ils étaient nazes, les nôtres. Ils étaient tachés. On n'arrivait même plus à les revoir, donc on les achetait. Mais quand on mange des raviolis, etc., vu que la nappe, elle est neuve, même si on a mis un film plastique par-dessus, j'aime bien avoir un set de table sur la table en plus quand les filles mangent, parce que déjà, Croxane a nous fait un carnage, vous avez pu le voir là tout à l'heure dans les vidéos, elle nous fait un carnage déjà en mangeant, donc c'est vrai que quand il y a le set de table, ça diminue un petit peu les folies de Roxane. Voilà, et des filles, hein, parce que les filles aussi, des fois, elles mangent un peu comme des cochons, voilà. Donc là, je vais me poser et puis on se retrouve après. Je suis dans la voiture, on va aller chercher les filles. Oh, ça passe pas les deux. On va aller chercher les filles là à l'école et puis après faire mes petites photos. Cet après-midi, j'ai pas fait grand chose du coup parce que je suis restée au téléphone avec Nathalie. On avait plein de choses à se raconter, voilà. Donc du coup, on est resté au téléphone, voilà, tout simplement. Donc j'ai pas beaucoup avancé, j'ai même pas fait de code, enfin voilà. Franchement aujourd'hui c'était une journée farniente pour moi quoi, je n'ai rien glandé. Pour le coup, les langues de vipère pourront dire « Ah là là, t'as rien foutu ». Pour le coup vous aurez raison, c'est vrai, j'ai rien foutu. Bref, allez, là j'attends Mathieu, je suis dans la voiture déjà, mais il y était hein, il y a 2 secondes, mais il a oublié son sac, ses papiers. Donc ça serait bien de partir en voiture avec les papiers, c'est mieux. Voilà, donc allez, après on va chercher les gonzesses. Fête, ça y est, j'ai une tête catastrophique. Roxane n'est pas contente parce qu'on monte dans la voiture et qu'on a dit non pour les dessins animés. Alors, je vous montre ma tête. Magnifique cette tête, magnifique. Franchement, je crois que sur les permis, on a tous une tête horrible. Hein. Mais bon, c'est la vie. Quoi? J'ai oublié de dire quoi? Hein? Ah, on a vu le copain de Sarah qui s'appelle Morgane a été contente. C'est ça? Oui, ma poulette. Bon, on se retrouve après parce que là, avec Roxane qui pleure, c'est pas du tout évident. Mais on file à... Je sais pas. Ah, si, à Action. C'est toi qui l'as dit, hein? Ah, c'est moi qui l'ai dit? C'est toi qui m'as dit qu'on devait aller à... Pas aujourd'hui, mais tu m'as dit qu'il faut aller à Action pour tes bougies. Hein. Oui. Tu confirmes? Ça, tout à fait, je confirme. Bah, de toute façon, qu'on y aille aujourd'hui ou demain ou jeudi, c'est pareil. Hein. Non, mais c'était pas... Voilà, hein, on aurait pu... Je disais ça comme ça. Non mais en fait il esquive trop. À chaque fois il dit ouais ouais viens on va à Action et tout. Et dans les vlogs après il dit que c'est moi. Non c'est pas ça. D'abord l'histoire de base, c'est on a dit qu'on achetait le pain à Intermarché. Puis je t'ai dit comme de toute façon faut qu'on aille à Action pour tes bougies, on ira à Intermarché en même temps. Mais j'ai pas dit qu'il fallait qu'on y aille aujourd'hui. Bah on a plus de pain. Si, il nous en reste 2 baguettes. Ouais, du pain pas bon là. Ah bah oui. Allez, allons-y. On est rentré les amis, il est 6h10, je viens de mettre Sarah et Roxane au bain. Je peux pas vous montrer ce que j'ai acheté à Action puisque tout a déjà été rangé, plus vite que la normale. Donc bah du coup bah, je peux pas vous montrer, je vais pas tout ressortir maintenant que tout est rangé. Hein, tant pis, c'est pas grave, en gros on a acheté des bougies, j'ai acheté 2 livres pour la chaîne ASMR, j'ai acheté une paire de gants et c'est tout je crois. Et du coton. Non même pas de coton parce que je n'ai pas trouvé à Action. Je ne sais plus, enfin bref, une grosse bougie noire, des petites bougies, des gants, 2 livres. Oui. C'est tout Oui, c'est tout. C'est donc tout. Voilà. Mais c'était trop bien pour le coup, Action. Les décos, j'ai bien aimé. De Noël, les nouvelles là qui viennent d'arriver, je les ai trouvées sympas. Oui, il y a des nouvelles décos alors qu'on y va tout le temps, Action, là, il y avait des nouvelles décos. En fait, je dis ça, mais j'aime trop aller à Action. Non, tu ne touches pas quand même. Alors voilà, donc du coup là... Les jumelles sont en train de faire leurs devoirs qui n'ont pas été faits entièrement chez leur mère. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais enfin bref, ils en ont fait une partie, mais ils n'ont pas tout fait. Donc elles sont en train de faire la partie qu'elles n'ont pas faite.
ça, hein, j'ai bien compris. Enfin, ouais. Voilà. Sarah et Roxane sont au bain et moi, je me pose sur l'ordi pour faire mon papier là, que j'ai besoin pour mon code. Et après, je sortirai les filles du bain et je pourrai me poser sur le code pendant que Mathieu fera chauffer l'eau des pâtes parce que je pense que tu n'as pas besoin de moi pour faire chauffer de l'eau de pâtes. Je devrais vraiment sortir. Oui, parce que hier on devait manger le gratin, mais en fait, on n'a pas mangé le gratin, on a mangé les restes, donc on va le manger ce soir. C'est ça. Voilà. On décale, quoi. Bon, le PC n'a pas l'air décidé que je remplisse mon papier. Magnifique. Bon courage. Il y a des jours comme ça, il y a des jours. Faut que tu contactes un informaticien. Ouais, mais le problème d'un informaticien, c'est qu'il va réparer les PC de tout le monde, sauf les nôtres. C'est ça. Voilà. Je suis sûre que c'est pareil. Si vous avez un plombier mari, genre je sais, un mari plombier, je suis sûre qu'il s'occupe de la robinetterie de tout le monde, sauf de la vôtre. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé qu'on dit. Bah, nous, c'est pareil. Coucou les amis, t'as vlogué avant? Non. Ah d'accord, bon, je croyais depuis qu'il avait vlogué. Non, je crois que depuis qu'on était à l'action. Après le code. Ah oui, il y a eu le code, oui, c'est vrai. Non mais moi je l'ai pas filmé le code. Ah, non, non toi t'as pas filmé. Bon, il a pas filmé, voilà. Bref, du coup ce soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé L'amour est dans le pré, j'ai refait mes ongles. Oui. Comme ça c'est fait. Puis c'est tout. Oui, voilà, on a couché les filles, oui, etc. Voilà, non, parce que là évidemment oui. Il est beaucoup plus tard, il est 23h12, donc voilà. Vous ne voyez même plus mes yeux, parce qu'avec les lunettes et l'anti-lumière bleue, on voit plus. Il faudrait que je vous regarde un peu comme ça, mais ça en fait un peu vieille mégère, quoi. Plus haut, mais bon, ça fait j'y vois rien, même avec mes lunettes. Ça fait vert progressif, j'ai rien contre les verts progressifs, mais bon, quand même, quoi. Bref. Non, ce soir, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça a été plutôt c'était calme à la maison. Une soirée plutôt oui, calme, oui. Donc c'était sympa. Oui, voilà, une petite soirée tranquille où pour une fois, on n'a rien à vous raconter. Rien de spécial, non. C'est quand même très rare chez nous, hein, faut se l'avouer. Hein. Une soirée où tout va bien, quoi. Ouais, voilà. J'ai fait mon papier quand même sur la NTS, ah oui, là, ça y est, ça s'est fait avec la photo et tout, là. C'est vrai qu'avec le code qu'ils font directement avec le photomaton, là, où on peut signer et tout, c'est quand même plus pratique que d'envoyer le formulaire avec les photos, d'attendre qu'ils les reçoivent, qu'ils te renvoient le nanani. Oui, c'est sûr. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, c'est fait. On est tranquille. C'est déjà une bonne chose. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai refait du code ce soir. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 et 7 fautes. Ouais. Mais la deuxième, tu étais moins concentrée. Est-ce que les filles faisaient du bon? Souvent, à la deuxième, je suis moins concentrée. En fait, je devrais presque en faire qu'une par jour. Excusez-moi. Waouh! Ah oui, on a carrément bien augmenté. T'avais pas encore vu? Non, j'avais c'est pas pour vu. Ça que j'ai pas regardé. J'ai pas du tout regardé de la journée. Ah ouais, bref, donc du coup, ouais, je me dis que je vais peut-être faire qu'une séance par. Ah bah, à la limite, vaut mieux. Oui, si tu sens. À la limite, fais-en une le matin et une l'après-midi, enfin, tu vois. Ouais. Voilà, comme ça, tu ou fais une quand même le matin et une le soir. Oui, non, mais voilà. Voilà ça te permet de te faire quand même tes deux dans la journée. Et puis d'être tranquille, quoi. Tu les as mis où, les livres qu'on a achetés? Sous mes mains. Ah, d'accord. Je sais plus c'est quel abonné. Alors, je sais pas si je vais le retrouver là comme ça. Ah, dans les commentaires vite fait. Ah là. Oui, une petite dame qui disait. Il faut le gnagnagnagna. Ah, attendez. On va regarder. Tu peux en leur faire la en conversation. En attendant, vous voyez ma barbe. Elle est belle, elle est douce, elle est suave. Ah non, peut-être pas quand même. Voilà. Je suis très fier de ma barbe. D'accord. Voilà. Ouais, mais ça, c'est les trucs auxquels je n'ai pas répondu, auxquels j'ai répondu. Oui, appliquer. Je cherche, les amis, je cherche. Ouais. Un petit coucou, encore une fois, les jumelles ne sont pas des. Ça, c'était le truc de nul. Oui, il y en a des fois. C'est pas grave. Mademoiselle Hibou n'arrive pas à retrouver. Non. Mais c'est pas grave, ma petite femme. Tu peux dire directement. Ah non, tu voulais le nom je de voulais l'abonné. Le nom de la personne. Ah. En plus, je sais que c'est une abonnée qui commande tout le temps. Je ne veux pas te dire, je ne sais pas. Bon, bref, j'ai une abonnée. Si, cher abonné, tu te reconnais, tu me mettras un petit commentaire que je puisse voir ton nom. Bref, qui m'a dit, Marie, tu ne fais plus de vidéos ASMR, mes enfants en réclament. Je sais que le commentaire... Ah, c'est là. Tu ne fais plus de vidéos ASMR, mes enfants en réclament. C'est Nicolina. Je savais bien que c'était une abonnée qu'on connaît... Ouais. Enfin, qu'on voit souvent dans les commentaires et dans les lives, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bref, regarde, j'ai pensé à tes enfants. J'en ai même pris deux. Regarde. Tadam, tu pourras leur dire, ça y est, Marie, elle a acheté des livres. Mais bon, elle n'a pas encore tourné la vidéo. T'auras le droit de leur dire.
si tout va bien, demain. Normalement, demain soir, demain soir, une fois que les filles seront couchées, je vais tourner une peut-être deux, au moins sur une, parce qu'il faut absolument que j'en tourne une. Après, l'histoire là est quand même assez longue. Je ne sais plus combien il y a de pages, mais l'histoire est quand même assez longue. Donc, ça dépendra du temps que je mets à la tournée. Parce que des fois, je recommence, des fois, ça ne me plaît pas, etc. Et en plus, là, je veux faire une nouvelle façon de tourner la vidéo ASMR. Et j'ai besoin de l'aide à Mathieu pour ça, parce qu'en fait, il me faut deux... Deux visions en même temps, en simultané. Ouais, deux différentes, donc du coup, j'ai besoin de... C'est-à-dire qu'on passe d'une caméra à l'autre sur la même... vidéo. Sur la même vidéo, ce qui veut dire qu'en fait, il faut qu'on filme simultanément à deux endroits, qu'après on cale les deux vidéos, qu'on cale le son micro, en plus. Ouais. Là, voilà. Ça va être vraiment une vidéo travaillée. Mm. Mais j'ai besoin absolument de Mathieu, donc je pense qu'on va faire ça demain soir. Parce oui, que, tout à fait. La journée, c'est pas possible, j'ai besoin de Mathieu. Donc Mathieu sera au boulot, donc demain dans la journée, c'est pas possible que je la tourne. Et le soir, c'est plus simple, parce que déjà, il fait nuit. Donc, j'ai pas besoin de fermer les volets chez moi pour que la vidéo paraisse de nuit. Il fera nuit automatiquement. Et les enfants seront couchés. Donc, c'est là où j'aurai le plus de calme. Donc, ça sera plus simple. Donc, normalement, demain, je tourne une vidéo. Non, c'est pas normalement, c'est sûr. Parce que si je me dis normalement, je vais pas la tourner. Donc, c'est sûr, demain soir, je tourne au moins un livre. Voilà, je tourne au moins une histoire qui sera postée dans la semaine. Et si j'arrive à en faire, je ferai les deux livres. Parce que les deux te plaisent. Me plaisent bien, voilà. Et du coup, je vous le dis à l'avance, mais ce livre-là, donc c'est le Mystérieux Bonhomme de Neige et Oscar et Lucie, comme ça, ces deux livres-là viennent de chez Action et on les a payés de la crotte. 2 euros, je crois. Ouais, et franchement, dedans, les images sont quand même très jolies. Très jolies, c'est un beau dessin. Le texte, il est pas droit. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire comme ça avec vos enfants quand on lit. Parce que moi, je sais que Sarah, quand je lui lis une histoire, elle aime pas que je fasse comme ça. Elle aime bien quand ça fait comme ça. Voilà. Et là, dans ce livre-là, c'est pas droit. Ça change d'écriture. Des fois, c'est petit. Des fois, c'est grand. Des fois, ça suit les nuages. Enfin, le livre est vraiment sympa. Donc, allez voir à Action. Franchement, ils ont l'air bien. Je sais qu'il y en a un autre aussi. Il y a Oscar et Lucie, le Mystérieux Bonhomme de Neige. Et il y en a encore un autre. Il y en a deux autres. Il y a le Draculé. L'histoire de Draculé. De Draculé, puis il y en a un autre. Pas Dracula, Draculé. Draculé. Et là, ça doit être un vampire qui aime le lait. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Et le dernier, je ne me rappelle plus. Ouais, donc. C'est le V4. Bref, il faut que demain on fasse ça. Voilà. Et demain, on va normalement, si tout va bien, on va à la poste. À moins que tu puisses y aller dans la journée. Si tu peux y aller tout seul, ça éviterait qu'on y aille avec toutes les filles. Ce sera peut-être plus simple, je verrai. Pour la boîte postale, puisque je n'ai pas oublié et que normalement, si Mathieu a le temps dans la journée, demain, il ira dans la journée sans moi. Après, s'il faut absolument que je sois là, eh ben, on y retournera le soir. Voilà. Mais oui. Ça serait plus pratique qu'on n'ait pas tout le monde. C'est sûr. Quand même. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Normalement, on n'avait rien à vous dire. Ça fait 7 minutes qu'on cause. C'est bien. C'est fatigué toute seule. Des fois, j'aime pas ma tête avec mes lunettes, mais là, ça va, je trouve. Non, mais moi, j'aime toujours ta tête. Non, mais des fois, avec mes lunettes, je me dis, oh, je crois que c'est quand j'ai les cheveux attachés. Bah non, ça va. Non, ça fait bien aussi. Ouais, je sais pas. C'est toi qui as des a priori sur tes lunettes, des fois. Ouais, bref. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Parce que moi, dernière actualisation, j'étais à 926. Et là, Mathieu vient d'actualiser, nous sommes à 931. Je suis contente. On avance, petit à petit. L'oiseau fait son nid. D'accord. Je crois qu'il est l'heure que j'ai eu mon coup. Il ne faut pas contrarier les fous, ça les rend méchants. Et puis, ce week-end, on vous fait une petite vidéo aussi sur le Lucator que vous avez vu ce matin. On va faire des combats dans la famille de Lucator. Mathieu, moi, les filles et tout, je pense que ça va être sympa. Et je pense qu'avant, on fera une séance d'entraînement de pouces, on fera tout ça. Tous en même temps. Un, deux, un, deux, un, à gauche. Arrête. Allez, nous, on vous laisse. Bon, on va arrêter là, parce que ça va dégénérer après. Ouais, on vous fait tout plein de gros bisous. Oh, j'aime pas, je vois mon écran. On vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Ah ben non, on ne voit plus rien. Ah ben non. Voilà, de vous abonner, de liker, de commenter, comme d'habitude. J'essaye. Je fais des essais. Oui, je suis sérieuse. Ah ensuite, arrête l'enclos. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Normalement aussi, demain, Mathieu se pose sur les commentaires, parce qu'aujourd'hui, ouais, j'ai pas eu du tout le temps. Normalement, si tout va bien, demain, je réponds à tous les commentaires. Et là, ce soir, je n'aurai pas le temps parce qu'il faut que je me démaquille et que je cherche l'activité. Ah, je cherche, non. J'ai déjà l'activité de mercredi, mais il faut que Mathieu me les imprime.
Et donc, du coup, il faut que je me pose sur l'ordi alors qu'il est 23h20. Mon écoute. Mais oui, on est très content. On vous fait tout plein de gros bisous. On vous embrasse très très fort. On vous dit à demain pour une journée plutôt normale, je dirais demain. En principe. Bon, chez nous, c'est jamais très normal, très longtemps. Oui, c'est ça, c'est que ça va pas durer. Voilà. Il va y avoir un truc qui va se... Souvent, quand je dis demain, c'est une journée normale, il se passe un truc. Demain, c'était même une journée normale. Voilà. Bon, allez, bref. On vous fait tout plein de gros bisous avec les bonhommes de... Et ho, hey, ho. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a demandé d'où venait le pull Tic et Tac. Et celui-là, du coup. Et j'en ai acheté d'autres. Tout ça, c'est Kiabi et ces pulls-là, les gros suites là avec Disney dessus. Alors, vous en avez plein de sortes. Hein. C'est 15€ le pull. Voilà, à Kiabi. Tout simplement, je t'aurais répondu, petit abonné. Voilà. On vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à demain. On vous embrasse très très fort et ciao, ciao!